Shalom bien-aimé, je veux prier pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses à l'heure actuelle, mais je sais que la prière a cette capacité de changer les situations. Par la prière, ta situation peut changer. Voilà pourquoi je t'invite simplement à disposer ton cœur pendant que je vais faire cette prière pour toi. Père, je te recommande ton enfant. À l'heure actuelle, peut-être qu'il traverse un moment difficile, un moment douloureux. Mais je prie que ta bénédiction puisse être en marche dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que tout ce qui était déstabilisé, tout ce qui ne marchait plus, tout ce qui ne fonctionnait plus, tout ce qui ralentissait son progrès dans la vie, que cela puisse lâcher prise au nom de Jésus-Christ. Tu es béni à partir de maintenant. Toute parole de malédiction, toute parole de limitation, toute parole de régression, toute parole de non-progrès qu'on a eu à prononcer contre toi, des paroles qui ont activé la maladie dans ta vie, que ces paroles soient maintenant désinstallées au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces logiciels malveillants soient désinstallés au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens ôter tout virus qui a apporté stagnation, tout virus qui a apporté pauvreté, qui apporte maladie dans ta vie. Que ce virus soit désinstallé maintenant, soit retiré de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'une nouvelle saison commence à partir de maintenant, une saison de prospérité. J'invoque la prospérité sur ta vie. J'invoque la bonne santé sur ta vie. J'invoque la bonne santé dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Que ta maison soit une maison prospère. Que ta maison soit une maison d'évolution. Je déclare ton entreprise prospère au nom puissant de Jésus-Christ. Ton entreprise prospère. Tes enfants prospèrent. Ta famille prospère au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui était projet de mort, tout ce qui était projet de déstabilisation, tout ce qui était projet de ralentissement des destinées qui menace ta vie puisse être maintenant désamorcé au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'ouvre son grand trésor. Qu'il ouvre une saison de joie, une saison de prospérité, une saison de gaieté, une saison d'avancement et de progrès, de grands progrès, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cette prière et que cette prière soit en marche dans ta vie dès maintenant. Je ne déclare pas que cela arrive demain, mais dès maintenant, que ce changement commence à se voir là où tu étais malade, que tu commence à ressentir ta guérison maintenant. Là où tu n'avais pas de bonnes relations, des relations qui ne t'apportent rien, que à partir de maintenant, que ton téléphone sonne pour des grands contrats, que ton téléphone sonne pour des relations bien profitables au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. C'était le pasteur Glody. Rassure-toi de t'abonner, active la cloche de notification, comme ça nous serons toujours dans le bain de la prière. Shalom.